trois axes stratégiques de développement pour nos sociétés. Le premier était sur l'aspect international, donc de continuer sur l'aspect export, mais aussi en réfléchissant sur des possibilités d'implantation. On est déjà, comme vous savez, donc à Madagascar, mais le but dans les années à venir, c'est probablement considérer une implantation en Afrique de l'Est. Donc on travaille de façon assez proche avec l'AMM et les autres membres du Conseil et du Comité Export pour définir justement le bon pays ou la bonne région. Donc ça c'est l'aspect international. Le deuxième axe stratégique pour nous qui est important, c'est l'aspect digitalisation. Donc on travaille avec des partenaires pour actuellement faire un audit, faire un gap analyse entre ce qu'on a aujourd'hui et où on souhaiterait être dans 2 ou 3 ans. Donc, qui dit digitalisation, c'est Internet of Things, c'est automatisation. Donc, ça va au-delà des machines. Donc, on a des machines qui sont hyper techniques aujourd'hui à la pointe de la technologie. Mais ce qu'on souhaite, comme on a une grosse pression de la part de nos clients de réduire les délais, c'est de pouvoir arriver à prendre des décisions rapidement. Et il y a tout cet aspect digitalisation qui nous permettra de le faire. Alors, on espère pouvoir enclencher tout ce développement sur ce projet à partir du second semestre. Ça prendra quelques années, mais au moins on est lancé par rapport à l'opération à l'EMOS. Sur la digitalisation, quelles sont les compétences dont vous avez besoin en termes de diagnostic pour vous les trouver? Alors, on a galéré un peu au départ pour trouver les compétences localement. Et puis, j'ai fait un workshop à travers PLC sur l'industrie 4.0 l'année dernière. Et ça m'a permis de rencontrer certains consultants, établis en Suisse, qui, c'est un peu leur domaine, qui ont assisté un petit peu les sociétés pour mettre en place justement une stratégie de digitalisation au terme assez large. Donc, je ne vais pas faire la publicité l'un ou l'autre, mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a probablement 3 ou 4, mais avec une bonne expérience, bien établie dans le domaine, et qui, j'espère, pourront nous accompagner dans cette démarche. Ce sont des boîtes internationales montées ici, ou c'est ça? Non, c'est des entreprises mauriciennes, mais avec des partenaires internationaux. Au départ, on avait essayé de prendre contact avec des boîtes étrangères, singapourienne et sud-africaine. Le problème, c'est que notre taille ne les intéressait pas trop. Et puis, les coûts étaient simplement risqués. Avant même de lancer un projet, j'ai demandé de mettre un down payment. Et donc, au final, on s'est retrouvé, on a pu établir cette relation, faire ce contact avec ces 3 ou 4 personnes. Et bon, on va essayer, on va voir. Et puis, si c'est un succès, on fera une prochaine rencontre. Non. En 4 mois ou en 1 an pour Alors ça c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect qui nous tenait à cœur et qui est important pour nous, surtout dans le domaine du packaging, c'est l'aspect recyclage. Donc recyclage, c'est sur 3 pôles. Le premier étant de développer une économie circulaire, mais ça c'est pas juste dans le domaine, ça dépend pas juste de nous. C'est un élan national où tous les acteurs ont quand même par la responsabilité, gouvernement, secteur privé, ONG, etc. Nous ce qu'on souhaite, c'est être présent et être partie prenante des discussions et de la mise en place éventuellement de ce modèle circulaire. Je sais que Business Mauritius a beaucoup avancé dessus, donc beaucoup bossé dessus. On a eu une rencontre au niveau de l'AMM pas plus tard que hier avec plusieurs mouvements. Donc c'est en bonne voie et on espère que dans quelques semaines, il y aura quelque chose de concret qui pourra ressortir. Donc ça c'est le pôle, on dit un petit peu plus macroéconomique national. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'attend pas d'avoir quand même un élan national. On a défini aussi 2 autres pôles qu'on pouvait faire au niveau de l'entreprise. Donc le premier, c'est développer une stratégie de zéro waste factory. Donc déjà au niveau de l'opération, comment on produit du plastique à la base, sur 3 catégories de produits, c'est des manchons rétractables,
vous voyez sur les crevettes, les lions par exemple. C'est des étiquettes contourantes, notamment sur les poissons gazeuses ou sur l'eau. Et puis c'est ce qu'il y a sur tout ce qui est stickers, hein, étiquettes autocollantes pour la peinture, pour les détergents, les autres types de produits. Alors l'idée c'était déjà au niveau de l'opération de baisser notre waste. Donc toute production, forcément il y a un élément de waste. Mais on a fait un gros travail depuis 3 ans. On est sorti de probablement 26-27% de waste en moyenne sur les développement industries. Et on est tombé à 7% l'année dernière. Donc 7% c'est un peu la norme internationale. Mais c'est toute une stratégie derrière, depuis le supply chain, trouver les bons fournisseurs, l'opération, enfin l'amélioration de l'efficience en opération, sur l'opération, etc. Donc ça c'est l'aspect zero waste. Au-delà de ça, on récupère aussi tout ce qu'on peut récupérer. Donc les palettes de bois, comme vous voyez, les produits, la nourriture qui reste après le déjeuner pour faire notre propre compost. On a notre petit potager qu'on a créé derrière. Et le but c'est que tous les légumes, les fruits qui pourraient sortir là soient redistribués à nos employés. Alors, l'incentive, c'est pas justement de distribuer des légumes. C'est pas ça. Le but va au-delà de simplement le fait de donner des légumes, mais c'est de conscientiser nos employés. Donc on a une centaine de personnes en Corée, donc si on arrive à toucher une centaine de familles, ça sera plus gros de sa famille. Donc c'est à travers ces initiatives, arriver à éduquer ou à conscientiser nos stakeholders. Il y a un aspect aussi de récupération de produits électroniques, électroménagers, qu'on fait avec Zaki, qui est ici, et Thierry. On a commencé l'année dernière, on a fait une première collecte en novembre. C'est sponsorisé entièrement par la société. La première fois, on a limité un petit peu la grosseur, la taille des produits. Et on fera ces campagnes de récupération 2 fois par an. Donc la prochaine est prévue pour juin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va également prévoir nos camions pour aller récupérer les produits chez nos employés. Parce que quand on parle de micro-ondes, de four, de frigidaire, c'est quand même pour la majorité de nos employés, et même aussi d'être dans un bus. Donc forcément, c'est pas peut-être le pratique d'avoir un frigidaire dans un bus. Donc on met ça à disposition de nos employés pour aller récupérer les produits. Et la première campagne, on a eu plus de 700 kg de produits électroménagers. Hein. On a masculé chez BEM et on espère quand même avoir un peu plus sur la deuxième campagne. Donc tout ça, et pour finir, donc, le plus important, c'est qu'on est en mesure aujourd'hui de vous proposer aussi une gamme de produits qu'on a définie comme alternative to plastic. Alors, c'est un gros travail que les équipes ont fait sur les derniers 18 mois. C'est pas facile de trouver l'équivalent ou des alternatives au plastique. Mais aujourd'hui, on a une gamme dans les 3 catégories, donc soutenez-vous, les rétractables, les étiquettes entourantes et les stickers. Donc, tout ce qu'a défilé derrière moi, c'est un petit peu les produits. Donc, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, on est probablement les premiers à Maurice et peut-être dans la région à mettre à disposition de nos clients justement cette gamme de produits. Alors, ça peut être du shrimp biodégradable, ça peut être du raparin biodégradable ou compostable, ou des étiquettes adhésives qui sont à base de bagasse ou de produits végétaux, ou du papier aussi, recyclé. Donc il y a vraiment toute une panoplie de produits aujourd'hui qu'on est fier de pouvoir présenter à nos clients. Maintenant, derrière, bien sûr, il y a des contraintes, mais il y a des paramètres techniques qu'il faut prendre en compte. Le source of supply est assez réduit mondialement. Voilà. On a pu avoir des fournisseurs qui sont fiables. On a fait plusieurs tests, nous, à l'interne, pour nous assurer que techniquement, c'est faisable. Donc on a bien avancé.
Maintenant, la prochaine étape, c'est avec nos clients et nos partenaires, ça serait justement sur les produits spécifiques de venir faire des essais en marché. Donc ça, on est prêt à le faire aussi gratuitement avec nos clients pour justement marquer un peu notamment ce projet. Et encore une fois, au-delà juste d'avoir des produits à proposer, mais on juste souhaite marquer aussi le pas au niveau de nos employés, au niveau de cette consciousness qu'on veut créer à travers nos initiatives sur le recyclage. Donc voilà, si vous êtes intéressé, les équipes et moi-même, on sera en mesure de vous parler un petit peu plus en détail en fonction de vos produits, ce que vous faites avec nous déjà aujourd'hui. Et là, on va un petit peu plus sur le sujet. Et je suis sûr, ça atteint le niveau de nos clients, je suis sûr qu'il y a un intérêt de votre part. Et je vois Jean, qui est à côté aussi de Artinitz, qui est un ami de longue date. Je voulais savoir en termes de prix, est-ce que ce genre de produit, en termes de polyamide, est-ce que c'est vraiment bien plus cher que les produits traditionnels? Comment vous pouvez faire ça? C'est plus cher. Maintenant, c'est un choix, mais au moins on donne la possibilité à nos clients et au consommateur final d'avoir un produit qui est, à mon dire, sustainable sur toute la ligne. Il y a forcément des implications, mais nous, on ne fait pas plus de profit dessus. Malheureusement, c'est la matière première qui rentre, qui est plus chère parce que l'approvisionnement est limité. Mais plus ça va, plus il y aura de nouveaux fournisseurs. Je pense que le prix finira par baisser au niveau de la matière première. Donc toute répercussion qu'on aura, ce sera uniquement en fonction de la matière première. Donc pas pour nous, forcément, mais juste nous, ce qui est intéressant, c'est au moins de participer dans cet élan national de recyclage. Alors pour revenir juste au niveau textile, on n'est pas en reste aussi. Donc deux de nos sociétés sont spécialisées en fabrication d'étiquettes textiles, Berg et Nabo. Dans ce domaine aussi, on a des produits recyclés pour les polyester qu'on offre déjà certaines marques comme Woolworth ou Asos, que ce soit au niveau du fil pour le tissage d'étiquettes de Green Labels ou des rubans polyester ou satin qu'on peut utiliser pour travailler sur un vêtement traditionnel. Alors on couvre vraiment toute la chaîne. C'est quoi ce produit-là? J'ai vu du stone paper, c'est ça? Le stone paper fait partie de la gamme. Mais le stone paper, à la base, c'est quoi? C'est la poudre de pierre qui est mélangée avec du HDPE et de la colle. Donc ça vous donne un alternatif, mais il y a quand même une dose de plastique dedans. Alors, le stone paper, c'est l'utilisation de moins de papier. Donc c'est le stone qui remplace le papier. Donc il y a un élément environnemental, mais ce n'est pas forcément biodégradable. Okay. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de paramètres comme ça qu'il faut prendre en compte, mais il y a une multitude de produits. Ça demande des investissements en termes d'équipement pour faire ce changement vers... Au niveau des équipements, non, mais au niveau de la recherche, définitivement. Ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup de voyages, d'aller participer à des salons. Les investissements, c'est de faire venir des rouleaux, d'acheter des rouleaux, de faire des tests à l'intérieur pour nous assurer que techniquement, justement, ça passait sur le marché. Tout à l'heure, vous avez dit que le WS est passé de 22 à 7. En termes de gains sur votre marge, sur l'entreprise, ça fait, on peut vous estimer ça à combien? Parce que là, on parle de waste. Alors, c'est un gain forcément important. Maintenant, il faut, on ne va pas rentrer dans trop de détails non plus, mais c'est la matière première est une partie des coûts, forcément. Mais à mon dire, c'est un gain intéressant, forcément. Dans le cadre de votre responsabilité sociale, vous voudriez, disons, moi j'habite à Pointe-au-Sable, je sais très bien de qui vous avez parlé comme réparateur, mais il y a des frigidaires, je vois des matelas, est-ce que ça ne peut pas rentrer dans cette opération-là en tant dans votre responsabilité sociale? Parce que vous employez des personnes qui n'habitent pas ici, vous employez sûrement seulement à côté là. Est-ce que votre responsabilité sociale ne peut pas rentrer dedans pour le massage dans le coup? Dans un deuxième temps, oui, on pourra considérer, mais ce qu'on veut dans un premier temps, déjà, c'est marquer les esprits chez nous avec nos employés. Après, commencer à ouvrir ça et peut-être dans une démarche un petit peu plus communautaire, c'est faire sur la zone, faire des sessions de récupération comme ça. Oui, on pourrait considérer, mais là, dans un premier temps, comme ça prend du temps pour create the consciousness, et on préfère le faire.
et s'assurer que ça marche avec son employé, et après on va élargir. Donc, groupe, société. Pour ajouter, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure plutôt sur la volonté de l'OMD Business Watchers de répondre à des carences pour les entreprises, et autant pour le plastique, autant pour les déchets croisés, il y a une capacité, aujourd'hui un potentiel du secteur privé à mutualiser un certain nombre de choses en termes de collecte. On en parle depuis plusieurs années, mais je vois que là, on est vraiment prêt à passer à la prochaine étape. L'application des habitants, des habitants, des collectifs. L'initiative d'un mouvement, le jour de la journée de l'environnement, par exemple, le maire de la Randonnée, nous, des mêmes, et toutes ces équipes et tout le monde, depuis le directeur jusqu'au l'opérateur, tout le monde passe dans la zone et ramasse une tonne de déchets en général. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être envisagées au niveau de carrément la cité hier, tout ça, etc. Au sens large, en repérant les différentes usines qui pourraient donner l'élan et après inviter les habitants à se joindre à ce genre d'élan. C'est d'abord dans la communication qu'on fait autour de tout ça aussi. Et puis, mais je crois qu'on va venir à un bon modèle assez intéressant avec les astrologistes. Peut-être chaque société dans des zones spécifiques pourrait sponsoriser l'implantation de poubelles pour récupérer les produits. Déjà, c'est une première étape. Et après, bon, au fur et à mesure. Mais on va voir ce business model qui va sortir un petit peu toutes ces discussions, j'espère, dans quelques semaines. Et à partir de là,